Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de swing. Alors, pas le swing, l'interprétation rythmique, mais le style de musique. Le swing, c'est un style de jazz qui est apparu dans les années 30, qui était développé pas mal par Duke Ellington et d'autres musiciens, Benny Goodman aussi. Et nous, on va parler de Benny Goodman et surtout de Charlie Christian. Et ce qu'on va voir, c'est certains rythmes, en fait, trois rythmes qui sont très courants dans ce style de musique, c'est un style de musique que moi j'aime énormément et je trouve que ces rythmes sont vraiment intéressants d'un point de vue pédagogique. Les travailler, je trouve que c'est un bon exercice. Donc je vais parler très rapidement de ce style de musique, comment sonner à peu près comme Charlie Christian, et puis après on va voir les rythmes et je vais vous donner des exercices pour les travailler et pour devenir meilleur à la guitare. Donc le swing, Charlie Christian. Charlie Christian, c'est un guitariste, souvent certains le considèrent comme le premier guitariste de jazz vraiment influent. C'est un guitariste qui est arrivé juste avant ou au moment où la guitare a commencé à s'électrifier. Donc, il joue avec une guitare électrique qui ressemble à ça. C'était peut-être pas exactement ça, mais ça ressemblait beaucoup. C'était une Gibson Arctop, donc une guitare jazz Gibson, avec un micro un peu différent de ça. Bref, ça sonnait... Donc, pour avoir un son un peu comme Charlie Christian, qui est le guitariste qui jouait dans le groupe de Benny Goodman, qui est un clarinettiste et compositeur et arrangeur de cette époque-là, très influent, hein, peut-être autant que Duke Ellington, ou presque. C'était le guitariste titulaire de ce groupe-là, donc il a joué dans plein d'enregistrements, on peut l'écouter, et c'est un guitariste qui est arrivé à peu près à la même époque que Django Reinhardt, et les deux se sont beaucoup influencés, donc on retrouve certaines phrases qui se rejoignent. Donc Django, lui, il était en Europe, en France, et Charlie Christian, ils étaient aux États-Unis, mais il y avait la radio, il y avait les enregistrements à l'époque. Ça passait pas aussi rapidement qu'aujourd'hui avec Internet, mais en tout cas, ils s'écoutaient l'un l'autre, et ils se repiquaient probablement des phrases. Pour sonner à peu près dans ce style-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de jouer sur une guitare jazz comme ça, donc une arctop, une guitare avec une caisse de résonance, avec si possible un micro qui ressemble à ça, un micro standard, magnétique on dit. Voilà, parce que sur une guitare solid body, ça marchera un petit peu moins bien, il y aura un son moins boisé et un peu moins intéressant. Et on va chercher volontiers une petite, on pourrait dire un peu une légère distorsion ou un son qu'on peut retrouver un petit peu dans le blues, puisque à l'époque, ils n'utilisaient pas de pédale de distorsion, mais dans les amplis qu'ils utilisaient, dans le traitement du son, il y avait une distorsion qui était assez présente, qui faisait qu'on entend ça dans les enregistrements, et pour retrouver ce son, on va des fois mettre une petite distorsion. Moi, je ne vais pas utiliser de distorsion ici. Mais, donc, un autre truc qui est important, c'est d'attaquer assez fort. On ne va pas attaquer comme quand on fait du bebop, on va attaquer plutôt... Voilà, on va faire des petits bends, on va faire certains effets qu'ils utilisaient pas mal. Si jamais vous connaissez pas ce style ou ça vous parle pas trop, allez écouter juste les liens dans la description de cette vidéo. Il y a beaucoup de liens que j'ai donnés avec beaucoup d'informations. Et vous pourrez voir à quoi ça ressemble comme son. C'est un son que vous connaissez très probablement. Donc, on va voir les trois rythmes que je vous conseille de travailler, qui sont typiques de ce style de musique, qui sont utilisés par Charlie Christian beaucoup, mais par tous les autres musiciens, Benny Goodman aussi à la clarinette, et tous les autres solistes, c'était des rythmes qui sont un peu typiques de ce style de musique. Le premier rythme, ou plutôt les deux premiers rythmes, on va commencer par les deux premiers qui sont un peu antagonistes en fait. Le premier, c'est de jouer des notes sur les temps et de les faire plutôt piquer. Donc l'accompagnement, c'était une pompe, hein, qui était fait sur ce genre de guitare, donc c'était Charlie Christian qui faisait la pompe. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Et donc jouer sur les temps, ça va être... Tout simplement, on joue sur tous les temps et on pique les notes, donc on relâche la pression à la main gauche à chaque fois pour pas que ça fasse... Pas ça, mais... Ça c'est le premier rythme, donc c'est pas très compliqué à faire. Mais le deuxième, il est antagoniste dans le sens où on joue une note sur le temps et après on joue que des notes sur le contretemps. Donc ça va faire, si je fais un tempo un peu plus lent, ça va faire 1, 2, 3, ta da ta 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 ta. Donc on fait que les contretemps sauf la toute première note où on joue sur le temps.
C'est pas évident d'interpréter ce rythme parce que souvent, même très souvent, ce qu'on a tendance à faire quand on joue ce rythme, c'est que les croches qui sont en l'air, on va les jouer un peu trop tôt. On va faire ta da ta 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 ta. C'est pas ça. Il faut que les notes qu'on joue soient juste avant le temps qu'il y a après. Parce qu'il faut qu'elles soient swingées. Donc 1, 2, 3, 4. Ta da ta 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 ta. Si je le fais au ralenti, on entend ta ta ta. Donc il y a la note que je joue et juste après le temps. Ça, c'est important. C'est encore plus important de beaucoup retarder les croches quand on enchaîne des notes sur les contretemps. Parce que le swing, il change un peu en fonction de ce qu'on joue, mais quand on joue ce rythme, et surtout quand les soufflants, dans ces styles de musique, là, il y a beaucoup de backs ou des riffs joués par les soufflants, et souvent dans ces riffs, on retrouve le poubépépépépép. Ce rythme-là, il doit être vraiment interprété en étant joué juste avant le temps d'après. Sinon, ça ne swing pas. Je vais faire une improvisation pour illustrer ça. J'aurais aimé faire une improvisation sur un playback qui retranscrit bien le style de cette musique-là, d'un point de vue stylistique, mais j'ai pas ça sous la main. Par contre, j'ai des playbacks en jazz manouche, donc j'ai utilisé ça. J'en ai certains qui ont un son qui ressemble beaucoup. Donc je vais faire ça sur un morceau en si bémol majeur, The Shake of Arabi. Un tempo un peu rapide, mais pas trop. C'est 190, je crois. Donc je vais des fois jouer... Bon, je vais faire des... Je vais utiliser un peu les gammes qu'ils utilisaient à l'époque. Ils utilisaient beaucoup la pentatonique majeure. Avec des petites notes blues en plus. Et avec des chromatismes. Bon, je détaille pas trop ça. Mais je vais beaucoup jouer les temps. Et des fois changer un petit peu. Et ensuite, des fois, faire des phrases sur les contretemps. Ça vous a plu cette impro, que ça vous a mis un peu dans l'ambiance. Et un troisième rythme qui est très courant dans ce style de musique, c'est plutôt un procédé rythmique qu'un rythme en fait, c'est les groupements par trois. C'est-à-dire qu'on va soit faire un motif rythmique sur trois temps et le répéter, ça peut être n'importe quel motif rythmique basé sur des noirs ou des croches, et on peut aussi faire ça sur trois croches. Donc, si on fait sur trois croches, par exemple, ça va faire... donc, trois croches, ça fait ta-ta-ta. OK. 1, 2, 3. C'est sur un temps et demi, même si c'est pas un et demi complet, puisqu'on swing, mais bon, un temps et demi. Si on joue les deux premières et qu'on joue pas la troisième, ça va faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si je le fais tourner en boucle, ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, donc ça va faire 1, 2, 3. Pa ba 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 pa ba. C'est ça le motif. Si je joue toutes les 3 croches et que je le mets en boucle, ça va faire 1, 2, 3, 1, donc ça va faire ta da 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 da. Oui, mais ça marche pas. Oui, ça marche pas parce que je fais pas entendre le début de la cellule. Donc si je mets un accent sur le 1 par exemple, ça va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si je prends 3 notes différentes, par exemple. Ça va faire. Bobby, non, je prends d'autres notes pour que ce soit pas trop dur à chanter. Voilà. Bodédin, c'est bien ça. Bobéda, dodéda, donc 1, 2, 3, 4. Tobéda, bodéba, mbéda, bodéda, mbéda, bodéda, toréda, 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 toréda. À la fin, j'ai insisté un peu plus sur l'accent. Ça crée un décalage et ça marche vraiment bien. Et ça, c'est aussi faisable pour les groupes de trois temps. Donc là, il y a beaucoup plus de motifs rythmiques possibles, puisque en fait, si on pense aux croches, ça fait six croches hein, sur trois temps. Si je fais deux croches noires, ça va faire
ti-da-da-ta. En boucle, tous les trois temps, ça fait ti-da-da-pon, pi-ba-da-pon, 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 pi-ba-da-pon. Ce petit décalage rythmique de temps en temps, ça marche très très bien. Et c'est typique de cette musique-là. Il y a des thèmes qui sont... Il y a beaucoup de thèmes de Mehdi Goodman qui sont construits là-dessus. Je pense par exemple à In the Mood, qui est très connu. En mi bémol majeur, je pense. Donc ça va faire... Donc c'est sur des croches. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, tin. Et il y en a pas mal d'autres, des thèmes qui sont construits là-dessus. Je vous donnerai une liste de thèmes souvent joués par Benny Goodman qui utilisent ce procédé-là. Je vais faire une improvisation en appliquant ça. Donc là, moi je vais le faire un peu spontanément. J'ai juste pensé à des groupes de trois, puis ça va venir un peu naturellement parce que j'ai déjà pas mal travaillé ça et que j'en connais, en fait, j'en ai dans mon oreille de ces groupements de trois. C'est quelque chose que vous n'arriverez probablement pas à faire spontanément si vous n'avez pas trop travaillé ça. Donc si c'est nouveau pour vous, prenez quelques motifs. Par exemple, le ta-da-do-ti, ta-da-do-ti, ta-da-do-ti. Donc si je suis en si bémol majeur, ça va faire quelque chose comme... Peu importe le motif, ça peut être plein de motifs différents, mais en gros, il faut qu'il y ait ce groupement de trois, que ce soit trois croches ou trois temps. C'est parti, improvisation avec ça. J'espère que ça vous a plu, cette vidéo, que vous aurez appris des choses et que ça vous aura donné envie de jouer ce style de musique, le swing. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Plus le temps passe et plus j'aime jouer ce style de musique. Si ça vous a plu, que vous avez appris des choses, ça vous a fait progresser peut-être cette vidéo, partagez la vidéo, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi aller sur mon site Guitare Improvisation. Il y a plein de pages en accès libre, il y a plein de formations complètes que vous pouvez aller voir. Il y a plein de ressources pour progresser en improvisation. C'est pour ça que le site s'appelle Guitare Improvisation. Quelle coïncidence. Et puis peut-être à une prochaine, dans une autre vidéo.